en soi à la mer que tu aimes faire. Pardon. Merci. Une mère juste, aimante, profondément présente pour l'enfant, profondément présente pour les valeurs que tu as su lui inculquer et que tu continues à lui inculquer malgré la distance fonction qu'on t'impose. Mais ta dignité, je voudrais aujourd'hui en fait la mettre en avant. Et c'est bon, je te remercie. Et te dire que cette dignité, c'est ton arme la plus grande avec l'amour que tu colportes à travers chacune d'entre nous. Je suis émue, bien sûr, parce que c'est la première fois que je reprends la parole concernant ces affaires monstrueuses. Il y a 5 ans, mon fils avait osé dire la vérité et dénoncer publiquement les horreurs qu'il vivait avec son père. On était accompagnés à cette époque-là de nombreuses attestations médicales, notamment, et là je n'en parlerai pas aujourd'hui, par respect pour Amaurice et sa nouvelle vie, mais de liaisons extrêmement violentes sur le corps d'Amaurice, de ses viols et de ses nombreux abus corporels sur sa toute petite personne qui n'avait que 4 ans et demi à l'époque. Et j'ai fait ce que vous avez toutes fait aujourd'hui, dénoncer ce qui était véritablement aujourd'hui l'horreur, l'impensable, l'inacceptable de ce qu'on peut laisser vivre à un enfant lorsqu'il est abusé sexuellement parlant, moralement parlant, par la manipulation ou la violence, quelle qu'elle soit. Et ce courage, au départ, il n'était pas un courage, il était une normalité de ma part que d'avoir dénoncé. C'était mon devoir de maman, que de dire la vérité, que de demander un secours, de demander une protection, de demander une justice, de demander en fait ce que cet enfant lui-même demandait à 4 ans et demi, 5 ans, d'être soutenu, d'être secouru, qu'on l'enlève des griffes de celui qui lui faisait du mal. Mais pour ce faire, vous le savez très bien, on est nombreuses malgré tout en France, malheureusement, et encore en Europe aujourd'hui, à devoir quitter la face des tribunaux, parce que malgré les preuves, malgré des dénonciations d'enfants qui crient leur désespoir et qui crient leur vérité, personne ne les entend, personne ne les écoute, et on prend le risque, parce qu'on est des vraies mamans, de devoir s'en aller pour les protéger. Et s'en aller, c'est un coup aussi merveilleux que désastreux. Merveilleux pour nous parce qu'Amaurice, en 3 ans et demi à l'étranger, il s'est senti tellement en sécurité qu'il s'est redonné la possibilité, lui, de se sentir légitime d'être en vie, légitime d'être heureux, légitime d'être un enfant. Alors il ne sera plus jamais un enfant normal comme tous les autres. Mais il se donnait le droit d'y penser et d'y croire. Et en ça, il s'était reconstitué, il est totalement bilingue. Il a fait à la maison avec moi une école en italien et en français qui lui a permis depuis septembre 2020, depuis qu'il avait été récupéré par les services sociaux, de sauter 2 classes. Donc on félicite cet enfant avec ce merveilleux éveil, ce merveilleux équilibre, mais on condamne la mère et on essaye finalement de faire entendre que la mère, elle était folle, elle est partie, on me dit de moi que je suis partie sous un effet délirant, un choc délirant. Je crois encore que mon fils a été violé, donc je délire. On a des attestations médicales qui parlent d'un anus recousu sur mon fils, mais je délire. Ça veut dire que mon enfant, il va porter cette cicatrice à vie sur son corps, dans sa chair, dans ses émotions et dans sa vie d'homme. Mais c'est moi qui délire. Donc je trouve qu'en fait, la justice, au-delà de ce que vous savez déjà de la justice elle-même, elle a un toupet qui dépasse en fait l'incohérence du vrai. Et ce toupet-là, en fait, on nous fait payer très cher. Je vais attendre que la camionnette passe. Merci. On nous fait payer très cher parce que des femmes comme Gladys, pour sa petite Louise, ou comme moi, on a quand même déjà fait 6 mois de prison. 6 mois de prison et la seule chose qu'on nous reproche, c'est d'avoir voulu protéger nos enfants. Là-haut ! Honteux ! 6 mois de prison parce que la seule chose qu'on nous reproche, c'est d'avoir osé vouloir défendre la vérité de nos enfants. D'avoir voulu défendre leur sécurité morale, leur sécurité physique. Et surtout de faire entendre que leur vérité est une vérité. Et qu'en plus, elle est secondée, attestée par des médecins, des intervenants de la psychologie de l'enfant, qui viennent attester le traumatisme énorme que l'enfant vient de vivre, qu'il encourt et qu'il encourrait encore de revoir ne serait-ce qu'un instant son abuseur, son agresseur. Et bien aujourd'hui, ça fait 2 ans que la justice me prive du moindre contact. Et j'insiste bien sur le contact, pas une lettre, pas un coup de fil, alors que le moindre criminel aujourd'hui qui a tué, qui a violenté à un point innommable, eh ben, ou alors il est dans l'impunité, ou alors il a le droit de téléphoner à son enfant. Moi, ça fait 2 ans qu'Amaurice n'a pas entendu parler de sa maman, qui
qu'ils la réclament et que je n'ai pas le droit simplement du droit de maman que je suis de lui dire que je l'aime. Donc on a une justice qui des enfants, des parents aimants, équilibrés, qui font leur devoir et pour lesquels on aurait pu les réprimander. On aurait pu être réprimandé en plus de non-assistance à personne en danger ou de ne pas faire les bonnes choses. Je n'aurais jamais été une bonne mère si je n'avais pas fait les choses que j'ai faites pour Amoris. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je suis triplement, quadruplement émue parce que toutes vos histoires sont aussi horribles que la mienne, aussi injustes que la mienne. Mais surtout, aujourd'hui, je vois sur vous tous les t-shirts de cette association qui a 5 ans en arrière. Amoris, lui-même, à 5 ans seulement, m'avait demandé d'ouvrir. Parce qu'il disait, maman, je te remercierai jamais de tout ce que tu fais pour moi. Mais il faut sauver tous les autres enfants. Et donc, à l'époque, j'ai pas eu le temps d'aller au-delà de cette association et de sa création au départ, puisqu'il a fallu que je quitte ce pays pour pouvoir mettre mon enfant en sécurité. Et aujourd'hui, de pouvoir les porter, parce que grâce à Karine Trapp, grâce à toi, Sandrine, grâce à Gladys, c'est une association qu'on va pouvoir réouvrir pour chacun d'entre nous, pour nous permettre enfin d'être sûr d'avoir des gens sur qui compter. Parce qu'on a toutes écrit à des associations. Combien d'associations en France se disent protectrices de l'enfant, se disent vouloir être là à travers les médias, vouloir nous soutenir par la justice, mais jamais personne à moi, par exemple, personnellement, ne m'a jamais répondu. J'ai écrit à toutes les associations qui existent sur le net pour demander de l'aide, pour sauver la vie de mon fils, et personne ne m'a jamais répondu. Alors je vous demande tous aujourd'hui, parents fatigués, abusés, désabusés et qui perdaient l'espoir de nous rejoindre. On voudrait réunir des dossiers pour prendre cette justice et montrer qu'aujourd'hui, nos enfants peuvent encore et encore compter sur nous. Et qu'on ne lâchera rien parce que leur vie, on leur a donné. Mais ce n'est pas parce qu'on est en train de leur reprendre que nous, on va s'arrêter là. Parce que moi, la vie de mon fils, elle vaut bien plus que la mienne. Et je ferai tout pour qu'il puisse vivre dans la joie et la sécurité. Aujourd'hui, Amoris, pour ceux qui ne le savent pas, n'a pas de contact avec ma maman, qui a perdu. On a perdu mon papa de cette injustice. Il est mort d'un cancer foudroyant quand on a dû quitter le pays, alors qu'il était en parfaite santé. Ma maman est toute seule avec moi. On est toute seule dans le combat pour tenter d'avoir la joie de pouvoir entendre Amoris à nouveau. Elle est malade du cœur. Elle a 72 ans. Elle a écrit une lettre d'amour, de dignité et de vérité au juge. Donc je ne vous juge pas. Mais je sais ce que vous avez pris comme décision et c'est votre responsabilité. C'est pas la mienne. C'est pas ce qui m'empêche de dormir, moi, la nuit. Mais je pense que ça vous empêche pas de dormir non plus. Cependant, aujourd'hui, j'ai envie de le dire, parce que dans les rapports de cette audience très particulière, où on demande au moins un contact avec notre enfant ou notre petit enfant, eh bien, c'est que monsieur se permet de répondre que monsieur, mon ex-mari, décide que ce n'est pas bon pour Amoris qu'il revoie sa grand-mère qui l'aime. Donc c'est même plus le juge qui décide, mais c'est ce monsieur criminel, n'oublions pas, criminel sur l'enfant, que la justice a défendu, couvert depuis 5 ans, qui décide sur le juge. Et aujourd'hui, Amoris est obligé de revoir son agresseur depuis des mois. Alors j'espère que ça se passe bien, qu'il se sera repenti, mais qui y croirait ? Eh bien, il a le droit, cet homme-là, d'hébergement et de visite d'Amoris. Donc Amoris y passe la plupart de ses week-ends et ses vacances scolaires. Est-ce que c'est une vie pour un enfant qui a crié au secours il y a 5 ans et demi en arrière et qui n'attend qu'une chose, qui le réclame sans cesse, de voir sa maman et sa grand-mère ? N'arrêtons pas le combat, unissez-vous à nous, aux enfants de la terre. On est ces 4 femmes qui ne lâcheront rien, juste par amour, parce qu'on vous aime et qu'on les aime. Et Amoris, si tu entends ce message, je t'aime plus fort que tout. Merci.